Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour Tinder Bande Combongo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, il y a Tinder Bande au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, il y a un récupéré. Bongo, dans ce là, il y a MPSA, Orange Manila Bango. Et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle Miami Balé, ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandweb et kotindi na code promo Buzz TV, on reçoit 10 dollars pour la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo, Marambaro Télémanager Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambongo, la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandweb, Nandela, il y a téléphone na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Très bien, beauté na balantignon sur Congo Buzz Télévision. Merci na bino pour la confiance renouvelée pe fidélité na manaka ya po na Congo to yebi yango malamu que RDC zala ki bongo ndeye mikolo eleki suite ya ba bombardement et salema ki kuna na camp ya ba déplacé 14 civils ba bongisa ki bomo na bango pe 35 blessés ba crime ya makasi contre l'humanité la RDC est toujours Namakambo et Zali Bongo génocide au Tozali Kolobela Boutou Ope Namoi. Le gouvernement congolais se met à Kolaka Bongo ba sanction topé réaction et Makasi contre ba pays agresseur. Ba Zonga Kilobi Moleki na communiqué moko signé par le gouvernement pour na ko Talisaka ko Sengaka ko dénoncer d'abord acte wana pe ko Sengaka Bongo ba sanction contre le Rwanda. Est-ce efficace comme réaction après tout ce qui s'est passé? Tomona qui Union européenne condamné, Tomoni Union africaine, les États-Unis d'Amérique, Bamboka et Béli à Mokili condamné, mais à quand la fin de cette tragédie? Alors, Panthère Noire à Kinshasa. Depuis un moment, bavure, ezali kotanga maka. Récemment, une maman, na mwana naye ya mobali, s'est retrouvée ya kokufa. Selon ba témoignage ya bato, le monsieur, le garçon, ezali ki arrêté par la police. Ensuite, sa maman a meki kolanda ye et nzoto ya maman bakuti yango na tongo libé de balle. Et le monsieur ezali ki torturé et a koufa ki suite ya ba blessure na ye. Et la police qui dit que a kolanda la paix a ko résoudre situation wana, mais ba plante monsieur c'est kokoba kokoya sur dossier wana. Est-ce que opération ezali solution pour na consil sa kuluna puisque to yebi comment est-ce que Kinshasa ezali bongo ko tungisama na kuluna? Est-ce que Panthère Noire opération ebanda ki ezali bongo solution pour na consil sa situation sécuritaire na kati ya ville province à Kinshasa? Nous allons en parler, mais aussi la question sur la révision ou le changement carrément ya constitution na biso. Est-ce que toza na tango ya kokanisa yango sima ya dernière sortie médiatique ya tata mokambe kolo kuna la France biska alobaki que esengi na biso constitution moko ezali digne? Est-ce que ezali bongo ngonga ya kokanisa yango parce que eza sujet eza lancé na ba scientifique na ba politique mais na ngambo ya opposition balobi niet ne touche pas à ma constitution ndenge ça les marins à 2016 pelelo bazali kobo yango. Est-ce que contexte zandenge moko est-ce que makambo changer évoluer pour que les loto banza bon ko simba constitution na biso ma solo wana ndeto ko sola mokolo ya lelo bande ko balobi to lobe la situation na Kinshasa problème ya carburant bana mboka bazali ko souffrir l'état zali bongo na nyongo selon
Ben, information ou à publicité, nanu à footité et pessi mambutu mbutu et transport et mati makasi ambutèche koutou kolobate population so senga lisungi kouta na l'état congolais. J'espère que Mbela na bango et yokani. Ba question d'actualité mon konalelo to solango na ande kwaza na biso sur ce plateau mon amboka Christian Moleka azali bongo moko ya baye ou bazali expert na ba question oui tali bongo ba question internationale pe moko ya baye ou bazali ba expert na ba question o politique ya mboka na biso mon amboka Christian Moleka mbote pe boyebola mbote na omi mbote na baye banso ba kolanda biso na Kinshasa pe na mukibubimba. Très bien, merci beaucoup mon amboka. S'il faut commenter on va na Kinshasa ozomona ndenge zo salema est-ce que mon salo est au salema, la panthère noire. Et ça dit, quoi la solution pour la question de la sécurité na Kinshasa? Je vais juste dire peut-être dans le cambo de transport, parce que sur le vent, comme actualité, en tout cas, je vais dire qu'on dit à la ville, qu'on dit à peine, qu'on dit à la tractation pour le gouvernement, mais qu'on dit à la bataille dans le cambo de transport. Parce que na chaleur, na moulili, na bambouteillage, n'a pris au transport les accosoirs. Bah, au bazaki lobby na boulevard. Mais chaque chauffeur a pris la lolenge na yé. So ka lobby 10 000 francs. Bah, transport bofouta ka 2 500, bofouti ango 5 000, 8 000, 10 000 francs. Et bah, tout baza appelé à dépenser 20 000 francs pour la transport na mokolo moko. Alors que bon, ma coquille ango eza koza la ndenge singelité, c'est très difficile pour les gens. Jean Ming à l'État, basan a retard de paiement. Mais s'il faut baya misala na ba conditions à transport, n'engez ça les malélo, c'est très très pénible. Ba conditions même comme ça là nous comment qu'on régule problématique ou ya carburant, notamment ba nyongo basan ango vis-à-vis ya CEP, via ba pétrolier et puis ba mais réglementer prix. Tout temps bolan ambo kaoyo, c'est comme si transport mon amour t'as pris une dengalingue, on ne sent plus l'autorité de l'État. Alors que le prix des transports est arrêté par une décision urbaine. Il y a gouverneur provincial plutôt. Mais on ne sent pas les lots autorités de l'État. Bon, c'est vrai que tout un flottement, parce qu'on a un gouverneur sortant et un gouverneur entrant, mais il faut ramener ça les mambas ou pour que bah reprendre en main direction la ville, parce que là, ça ne va pas du tout. Ça vous sentez que la ville n'est pas dirigée? Non, on ne sent pas. On sent, pas le, on sent qu'il y a un vide hein, au niveau de la ville. Mais bon, il faut aller Mbangu. Je crois que le gouverneur va travailler Mbangu avec l'équipe rapidement pour que tout sentir reprise de l'autorité et que la décision soit très rapidement, notamment dans les réglementations à transport. Parce que le chauffeur, c'est vrai que carburant est comme matin. On reconnaît carburant et mati. Mais carburant et mati à combien? Ce n'est pas une raison pour doubler le prix à transport. Bah, t'as moto qui le bâté. Sur le bin, 15 000 ou 20 000 ou boyo optikali. Et donc, Kino a abandonné la Bango Moko. Parce que pour venir en ville et rentrer, na mokolo moko, il faut zala na minimum 15 000 francs. Tout le bas, 20 000 francs. Mais toi, on gagnera combien? On gagnera combien pour acheter 20 000 francs par jour? Soit ça l'yango pendant 5 jours, c'est 100 000 francs. Soit ça l'yango pendant un mois, c'est 400 000 francs. Mais 400 000 francs, il faut travailler combien? Pour qu'il y ait 400 000 francs dans le transport. Mais quand tu as un lobby, tu as un facilité. Tu as un bête, tu as un colo, tu as un coût de transport. Ah, mais tu déjà, quand tu as un transport, tu as appelé la société. Transport, tu as un bonhomme. Tu as habité sur le collègue en Boko, tu as un transport à l'État, tu as un régulateur. Tu as un peu de temps, tu as un Citrin, tu as un Transam, tu as un Sotraz. Tu as un régulateur. Tu as un terminus, tu as un gare centrale, tu as un gare centrale, tu as un gare centrale, régulateur, tu as un gare centrale, 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 tu as un gare. Yébani, bah konzamboka, bah nasi kamno, yébani nango, et tu vas faire l'année demi terrain. Conséquence, bah tu vas faire la ramakolo. Bah parce que naka ramakolo, soka ya suki awa, kiti azui mususu. Ce chauffeur le bi bah nunu, toi le bi béaté, abaluki na bato awana, abaluki na pa njili wana, bouno bo continuer makolo, bolu kote bo vaksekuna. Et sans compter que bah komi, le on a bah biboa, bah komi ti, kote a mi, minka ubita, mais bah tu vas souffrir.
Parce que ce qu'on le bio, soit déjà, ah ouais, que l'on a boulevard, au comati quartier, c'est de l'eau à boire, en bouteille à poids lourd, baramoto, entrée à Ami Congo, les boulouana, bah, conséquence, bah, mon ara, les boulou à Ami Congo, t'es. Chaque jour, en bouteille, j'ai la poids lourd, na Ami Congo, les boulou, mon quoi, y a mon quai. Mais tout le monde, à mon arango, ça dit rien aux gens. Après, on a soit qui était quartier 1, à Baloka, Babiboua, bah, plaza, à Kennedy, Bika, Obita, tant qu'on commande à 22h, aux autres, bah, panthère, mais couloune à Isali. Tant qu'on commande à 22h, 23h, couloune à Rangier, sauf que t'en as couloune à terre, que t'en as policier, bah, ça lié 12 après. Donc, la ville de Kinshasa devient invivable. Très, très invivable, et puis, les Kambouya chaleur, les Kambouya chaleur, oh, bah, Konzamboka, ceinture verte, la ville est à la souste. Tu as la Ranazam, bah, quartier 1, tu viens à Bikali. Et là, bateka teka bandam bundam buzam betika la mouke. Zamba météo, bateki teki teki zamba météo bandar koti. La ville n'a pas de sentir verte. Tout le changement climatique, banzete zara pena souste. Les longs à boulevard awa, tout le banzete, tout kata pour non élargir boulevard. Les longs à limité, tout le banzete, tout kata pour élargir boulevard. La ville n'a pas de poumon vert. Na ba chaleur auto mata, il faut qu'aux ongles ça va poumon vert. Na katia ville, ceinture verte, soit y a météo, soit y a quartier 1, ou ko luka bisika mususu qu'aux ongles ça va poumon vert pour la respiration en ville. Na lito okendo, toko si foke avec des règlements climatiques, na ba chaleur oyo, ville est comme difficile à vivre. Ton terre noir, moi l'amboka, est-ce que solution après le kofi, tozoaka, dossier ou la bande de Kouazo qui n'est qu'à Niamakassi, c'est cette fois-ci, Toza Bongo, Namoussala, Zaïko Salima, na ministère de l'Intérieur, ou Trakaka Bakoulou, na main, et autres, c'est tourné dans ma bavure policière. Est-ce que, et quoi, comme il y a vu ce qui n'y a bah, opération, on a, et ça, c'est justifié dans le contexte outil, dans le contexte électoral. Il faut quand même préciser deux choses. C'est que pendant la période d'élection, la police a mobilisé un effectif mingi pour sécuriser pour ce électoral. Conséquence de l'éthargie, ça a un peu d'abattation. Parce que attention, mingi la sécurisation pour ce électoral, ainsi de suite. Et comme l'effectif est la ramouké, l'éthargie est contre mingi dans l'étalie que sécuriser la population. Deuxième chose, il y a des politiques. Tout est bien, on a beaucoup de choses. Pendant la période d'élection, les politiques ont mobilisé, plutôt manipulé, ont mis la couloune. Pour contrôler le territoire, le terrain, la commune, le kota, le bambongo, pour contrôler la banderole, parfois même pour attaquer l'adversaire politique, tout le projet électoral, donc je n'ai pas d'activisme pendant l'élection. Et donc, il faut que l'insécurité, insécurité, il faut l'État ou la solution. Maintenant, est-ce que Panthère Noire est la réponse efficace? Oui et non. Oui, parce que ceux qui ont besoin d'un recrudescence, il faut que ça soit l'opération et le rétablissement d'autorité de l'ordre public. Le problème est allé, quel type de personnes on a recruté, quel mot ordre Bapesi Bango, est-ce Bapesi Bango ordre, il y a qu'on a déféré Bango vers le justiciable, tout Bango a le droit à ça la justice Bango Moko. Parce que quand il y a Yolo, il y a battre sur place, est-ce que Bapesi Bango mitine de Bango, il y a qu'on bête à battre Massasi. Dans les ans passés récents, tout le monde a eu l'opération Likofi Plus, tout le monde avait décrié. Que le Kofi plus comme ça là bas auto bengaki bah assassinat arbitraire hein quoi battre tout dans ba quartier tout baka ba pendaison et tout le monde avait dit non on ne peut pas avoir une telle justice sans que Moutali déféré devant un tribunal aza jugé et condamné malheureusement les mêmes abus toujours comme on est à Kozonga auto décrire qui na opération le Kofi yango ezongi lelo à savoir des exécutions sans jugement. Parce que dans le garçon, wana, maman, wana, il y a, je ne pense pas qu'il y a eu un jugement. Et donc, le problème est ça. Est-ce que tout va recruter? On n'a pas recruté Zélé, on n'a pas recruté militant. Autre côté ici, peut-être, na côté wana. Est-ce qu'on n'a on a pas donné de mauvaises orientations à Yango pour n'avoir aucun verbe à exécution? Comment on fait en sorte que ceux qui ont acquis Babu, responsable Babu, la condamné pour que décrédibiliser tout un processus qui était mis en place. Et je crois que responsabilité qu'aux ont à un niveau ministère de l'Intérieur parce que bangon de baza qu'on portait politiquement responsabilité opération au bango balancé et donc il faut très rapidement corriger babi wana qu'on recadrer exécution à mission wana mais en même temps na loba ki oui et non parce que na Congo na mboka na biso nous avons toujours l'approche répressive. C'est-à-dire tout kansaka il faut qu'on interdit, il faut qu'on bêta, il faut qu'on péki ça. Tout ça là, approche transversalité. Phénomène Kouluna est lié à quoi? Il faut que l'on ait une cause. Et ce que tu as dit, cause n'a pas mingi. Mais cause est lié au chômage des jeunes. Cause est lié à la précarité. Ce que je dis, cartographie et insécurité.
bakolo wa commune ne yebani comme ba commune réservoir ya sécurité mais comme on okotanga Masina okotanga Kimbanseke okotanga Kisenso okotanga Makala okotanga Ngaba okotanga Matete okotanga Njili pas vraiment mais okotanga ba commune oyo okomona que en termes peu d'accès au développement ezaba ba commune eza reculé par rapport à commune mususu à la fois en termes d'accès à l'énergie électrique à la fois en termes d'équipement collectif c'est-à-dire ba route ba terrain à balai et même temps en termes d'indice à pauvreté ça veut dire koulou na eza lié à la fois na déséquilibre à développement na pauvreté n'accès à l'électricité na ba commune wana et que ba réponse ali transversale et que ba conduit malheureusement bazo développer politique transversalité toti j'ai francophonie wat totongi équipement to kanga ngote. Pourquoi on ne met pas l'équipement au service de la jeunesse? Pour que les jeunes aient un lieu d'expression, une activité, pour que force au bas en déverser en haut ailleurs. Mais cette jeunesse-là, cette force, c'est une force qui peut être une médaille. Les jeunes ont aussi boxé en Afrique du Sud. Ils ont ramené 21 médailles pour Namboka. Mais comment Namboka Nabiso n'a pas eu tout à chaque fois? Ministère, il y a sport. Comment bazako encadrer le sport de combat? Quelle est la trajectoire où il y a un cannabis et pessi dans le sport de combat? Ce que c'est le sport de combat, dans le Congo, il y a un souk wapi. Dans le karaté, judo, boxe, lutte, taekwondo, shotokan et tout le reste, mukumbusu, tout ça. Mais ce que c'est le sport de combat, à venir, il y a un gardiennage, sécurité. Alors qu'ailleurs, il y a un urinaire à Bazali. C'est-à-dire, la trajectoire wana. Et comme il y a insertion par le sport. Moutazu Makasi naye a tiango wana et comme il y a moyen à se valoriser socialement, et comme il y a référence pour nabajen ou moussous dans le quartier, il repère wana et puis il y a valeur sociale. Mais ce qu'on t'a dit sociologiquement, mais, bah ou bah ça la bassin sociale, bah ça la psychologie, bah ou bah ça que Kouluna, eza d'une autre façon, frustration, il y a exclusion sociale à l'État. Mécanisme, il y a identification sociale, c'est-à-dire construire respect, construire un territoire, construire un pouvoir, mais dans le sens négatif. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des groupes avec un leadership, ils construisent des territoires où ils ont propre à leadership nabango, et les lois comme la dimension économique, pas bah yebi makamtozo loba, bah yebi makamu ya rapport. C'est-à-dire que ça coulou na bafani na coin. Bah, il a 0-0 rapport. Rapport est un bon. Derrière, il y a une dimension économique. Derrière, il y a affaiblissement de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État est raté qu'il y a l'opération ponctuelle. Parce que Panthère est ponctuelle. Bah, qu'il y a frappé, mais après. Mais que fait le ministre de Sport, le ministre de la Jeunesse, par exemple, la Mayo Lobby, donc orienté bilingue pour la cocotte, ça va en avis aussi. Malheureusement, le ministère de la Sport est un ministère à football. Depuis très longtemps, ils ont un ministère à football. Ils ont un ministère à sport. Et même football, en gros, il y a de quoi dire dedans. Tout ça, dans la politique publique, il y a insertion par le sport et la jeunesse. Alors qu'ils ont meurtre vraiment qu'ils ont abondance. Tout ça, dans la politique publique, il y a qu'on rétablit l'autorité de l'État. Est-ce que l'État est un système d'information? Ça veut dire organisé, l'État est un moutou, comme ici est-ce qu'on est abstrait. Ça veut dire système d'information, le système nerveux. Au moment où on finit, on s'appelle ça, aïe et matiti dans le cerveau. L'État fonctionne. Et l'État est dans la rue. Or, ce que je veux dire, la rue, le chef de rue est dans les États-Unis. Il a quand même payé. Il a statué à mon côté. Mais comment pour ça, pour l'État rétablir autorité de l'État, ce qui est l'État par le bas existant dans la société. C'est-à-dire chef de rue, ou à censé incarner l'autorité de la balabala. Ou à même une information, un nombre de la balabala, wana, à fuite à makate, à zali considérité. Je crois que la réponse à ce phénomène, c'est que rétablir l'État par le bas. Kozongisa, autorité de l'État à proximité. Ça veut dire Kozongisa, rue, chef de rue. Kozongisa, ba quartier, na ba fonction, na ba ngo essentiel. Côté gouvernance locale sécuritaire de proximité. Depuis Tobanda réforme, il y a police de proximité. Toujours qu'on va implémenter en côté. Peut-être, toujours, mais quand on a quelques communes, mais toujours qu'on va implémenter politique de proximité. Alors qu'il faut côté en terrain, conseil local de sécurité, et si la population, Sanganaka, dans un niveau de gouvernance verticale, ou horizontale plutôt, pour que le blâme à sécurité n'a pas mon moko. Mais ils ont raté uniquement opération ponctuelle. C'est-à-dire qu'on répond à l'école, ils ont accès et puis ils ont emploi. Les emplois à bas jeunes.
Mais tata moko mekolo alakaki ke rosala akokila ba plan moi ebele na manda et kozalement quoi ba solution. Mais on va voir en termes concrets comment ça se fait. Parce que emploi pour la jeune, les jeunes ne sont pas emploi. Ce que vous avez jeunesse, ils ont aussi la classe les lots. Mais combien ont accès directement à l'emploi en termes de premier emploi? Ils ont emploi militaire. Mais et puis, ils ont emploi. Les lots avec phénomène de sous-traitance. Phénomène de sous-traitance, vous voyez bien. Que vous avez une moto, vous avez recruté un balamor par société, bâti une sous-traitance. Si ma foutre à sous-traitance, on a peu kata kambon ou yazo kambon ou moke. Mais ils ont emploi, ils ont emploi moko, ils ont sous-emploi, ils ont emploi précaire, ils ont protection sociale à Molongate. Et donc, les jeunes, ils ont un avenir, même en saison par l'emploi. Le problème, c'est qu'ils ont l'insertion à jeunes. Ils ont un cité. Ça ne va pas régler le problème. Il faut qu'on insère les jeunes par l'emploi. Il faut qu'on tienne en place la politique transversale, à la fois par l'insertion par le sport, rétablir l'autorité de l'État, notamment à proximité. Qu'on paie ça la police makoki. La police n'a pas besoin d'aller dans ma coquille. Ma commune, le coup de la Kimbanse, qui est là, ici, au commis, ici, à poste à la police, c'est là. Ici, la police, il faut interagir, disant, c'est là, à peut-être 5 km. La police, elle a un moto caté, elle a un moto té. Bah, oui, bisous, bah, ça, Mindou qui m'y balé, moi, qui m'y tacaté. Mais oui, bah, oui, bisous, qui n'a poste à toi, Mindou qui m'y balé, moi, qui m'y tacaté. Donc, police a téléminé, Mindou qui m'y balé, qui m'y balé, qui m'y. Et ça, on a quand vu la Kinshasa. Mais n'est-ce qu'il y a des policiers, des tambours, des généraux, des députés, des ministres, des places, des bâtiments de la population? La police a pris une mission pour battre la haute autorité. C'est pour ça qu'il y a UPHP. Mais le problème est Zali, que ce qui est tué dans la poste de la police, na Kimbanse, que au cause d'un bon côté, que ce qui est tué au Kinekonge, honorable député. Kuna au moins, à part mbon gozo dans la police, au cause d'un bon détachement. Bah, tout le monde se voit qu'on n'a pas ce détachement et foutaka. Mais ce qui est que on a posté moko, comme on a posté la police comme on a l'ambalia, qu'on a détachement et zate, qu'on a frais de fonctionnement et yakate, même fonds pas massacré pour que au hasard, chargé opération a travaillé à zwakate. Conséquence, au couvent, on a posté moko, c'est la mort à l'État. Le coup, la mort à l'État, c'est la ramoke, à comme qu'on travaille dans un criminel. Pour que ça la couloune ensemble, comme on a derrière le mouvement criminel, il y a la couloune à Mingi, gens en arme basali. Très bien. Merci beaucoup, mon amboka. La police, ça a un rôle, il y a combat, il y a bateau, Nabilo, qu'on a bango. Boni, boni, la police est commis élément, il y a terreur. Boni, boni, est commis problème. J'espère que Ndeko, Nicolas Kazadio, à la qui copé, c'est la solution, là, il y a un mot à répondre le plus vite que possible, puisque justice est singulier, ça, les mapons, Ndeko, à Koufaki, dans mon anaïna, Sima, il y a opération Panthère Noire. C'est vrai qu'il faut trouver des solutions, mais il faut que la population abatte la matosana. Ko prince pengé sur ce plateau mon amboka président ya AD de Congo mon ko ya balobeli ya lamuka mon amboka mbote pe bwebola mbote mama mbote pe na kote basana. Oh, très bien, merci beaucoup to zwaki siji ya liboso mais mon ko ya basiji ya mutu ya tongo na lelo ezali bongo bombardement ya kan ya ba déplacé ndeko prince pengé gouvernement congolais a signé ba sanction contre le Rwanda. Le gouvernement congolais a dénoncé bongo situation o ezali ko sale mabongo kuna na mboka na biso na ena Goma plutôt plus de 4 fois, j'espère 3 à 4 fois déjà ba bombe ezoko ya bongo na Goma wa biska ba victime eza ba civil, n'est-ce pas là crime de guerre, crime contre l'humanité? Bien, il y a Liboso, un combo ya coalition Lamuka, puis un combo ya ADD Congo, donc vous présenter ma condoléance, na combo avant la Congo Banse, ma condoléance na ba ndeko na biso, ba tiki biso na ba circonstances moko violente. Il m'est difficile de présenter les condoléances, mais je le fais quand même. Les condoléances à condoléances, parfois on se demande si on est né que pour faire ça. Yami Balé, je. Crime, oui. Ils ont les crimes. Ils ont les crimes encore graves. Ils ont les crimes encore graves dans la mesure où. Non seulement Batouana Bakouti Nabo Kanabiso, mais ils tuent, ils violent, ils kidnappent et ils pillent nos richesses. Ils ont les crimes. Mais là, comme Singa, il y a les réactions à Tshilombo. Le président Tshisekedi. Les réactions à M. Tshilombo.
na gouvernement naï oba kosenga ba sanction. Il demande des sanctions à qui? À la France, aux Américains, aux Européens, va sanctionner Rwanda. Bon, normalement, oui, on peut dire aussi que bah, acte Rwanda zali ko sala na Congo et singe ba sanction Elanda. Mais ce n'est pas la première fois. Ce qui dérange, ce qui moi me dérange moi personnellement, c'est que ce n'est pas la première fois. Ezali obi ali bosote ko ya na kati ya Goma. Je suis convaincu que ezali pe obi ya sukate. Il y a un mois obi moko koyaki na école. Il y a encore deux mois obi moko koyaki. Ils ont dit la même chose. Est-ce qu'ils ont moyen de pression pour na komi mabiso obu? En réalité, à travers la demande à sanction au Félix Akosenga, et aller avec des puissances. Au peuple, comme au figuré, M. Chilombo est en cours d'idée. Félix est Asuki. Ils allaient même être dangereux de continuer à compter sur Félix Tshisekedi. Il y a des gens dans ce pays, madame, qui sont payés pour protéger les Congolais. Il y a des gens dans ce pays qui sont bien nourris, qui sont suffisamment entourés avec l'argent du contribuable public. Il y a des gens dans ce pays qui réfléchissent, qui sont là pour que ce qui arrive à Goma soit évité. Mais ils ne font pas les boulots. C'est là le problème. On attend d'un gardien de but qui l'empêche que le ballon finisse sa course dans ses filets. On attend d'un chauffeur que Akumba Mutuka a même battu la destination. On attend d'un pilote qui fasse décoller un avion, mais qu'il fasse atterrir ses clients en sécurité. Ceux qui pilotent sont capables d'être comme un pépo. Ça, vous écrasez en gros. Vous écrasez en gros. Ceux qui chauffeurs sont commis incapables, y a qu'aux amours tout cana c'est l'embao comme un routine à zando sans que asu cana t'attirasse. C'est que singeli ko longoye ba responsabilité. Félix Tshisekedi a le cola chauffeur ou azimu tout kazali incapable na 100 mètres à comme destination sans que ça l'accident. Si aujourd'hui il peut nous dire oh na sengi na biropé ba sanctionner Rwanda na sengi na biropé ba sala boy ba maman Macron est arrivé ici. Macron a regardé Bissot droit dans les yeux. Il a dit vous Congolais, vous avez été incapables depuis 1994 de restaurer votre souveraineté sécuritaire. Macron a dit, et comme je regarde mon frère ici, Macron a regardé Félix Tshisekedi droit dans les yeux. Mon colo Félix a dit qu'il n'y a pas de coffre. Il y a une année à peine, Macron était ici, président français. Il a dit, peut-être que ça va vous choquer, mais laissez-moi vous dire la vérité, vous les Congolais. Vous avez été incapables depuis 1994 de restaurer votre souveraineté sécuritaire, de restaurer votre souveraineté sociale, de restaurer votre souveraineté économique. N'attendez pas de la France que la France fasse le boulot à votre place. La France n'amènera pas la solution. Après ça, vous voulez m'appeler Pingue pour que je vienne dire quoi? Quand lui doit prendre son avion une année après oui. Pour se rendre en France pour dire « Oui Macron, bon, à mon compte défendant, je vais quand même vous croire, aidez-nous, sanctionnez le Rwanda. » Il sait que ça n'arrivera pas. Solo. Vous ne pouvez pas prendre un pyromane au commissariat pompier. Et nous ne sommes pas les seuls pays à être victimes d'un complot. Mais lisez l'histoire, madame. On ne fait pas la politique sans histoire. Il y a bien des pays qui ont vaincu des complots. Donc, en d'autres termes, vous croyez que cette guerre ici, on ne peut pas la gagner? Le Congo n'est pas né avec le parachutage de Félix Tshisekedi au pouvoir par Kabila en 2018. Le Congo a existé avant l'arrivée de Félix Tshisekedi.
Nous, là, Congolais, on a une histoire glorieuse, une histoire militaire glorieuse qu'on peut revendiquer. Oui, Mobutu a eu une armée. Quoique inexistante aujourd'hui, mais les fondements de cette armée, on peut les rechercher et les retrouver. Tous ces seigneurs qui sont en retraite, qui ont été avec Machar Mobutu ici, qui ont vécu la guerre, qui ont vu la guerre, ces gens-là peuvent nous dire quelque chose. C'est parce qu'on tape toujours sur une mauvaise porte avec Félix Tshisekedi. On a une histoire dans ce pays. Il y a un moment où ce pays, les militaires congolais étaient enviés partout en Afrique. On a envoyé nos ministères en expédition à l'extérieur, ont gagné et sont arrivés ici. Vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors pourquoi voulez-vous nous faire croire que Congo et Banduko existaient avec Félix Tshisekedi? Pour nous faire croire que non, cette crise ici, nous ne pouvons pas tirer notre épingle du jeu. Sous Mobutu, il y avait aussi des crises. Il faut savoir parler. Et pour savoir parler, il faut les hommes et les femmes de la situation. Pas un groupe de gens qui arrivent et qui veulent prouver aux autres que ce sont eux qui sont là. Félix passe tout son temps à prouver à l'opposition que lui, il est président. Même quand il veut s'acheter une veste, il veut d'abord prouver que voilà, c'est le président. Vous voyez, il fatigue avec ses souliers, il ne sait pas combien de millions de dollars. C'est ça. C'est ça le problème du Congo. Le temps de la réflexion a laissé le temps aux fantaisies et à la quinoiserie, au plus haut sommet de l'État. C'est ça le vrai problème du Congo. Donc, si on ne tire pas les conséquences, vous avez vu le président chinois quand il est arrivé en France? Vous sentez du sérieux. Vous sentez du sérieux. Moi, mon partage de Congo vous dit, le paraître doit laisser la place à l'être. Le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime du paraître. Qui fait du carnaval partout où ils sont. Ils ont menti, démagogie. Je vais dégainer. Qui sait ce que nous regardez moi en face? À la moindre escarmouche, j'attaque. Il va envoyer des drones même à Kigali d'ailleurs. Et Kagame a dit, monsieur, toi, tu es capable de réfléchir, de penser à tout sauf peser les actes, les conséquences de tes actes. C'est quand même profond. Mais vous devez méditer la réponse de Kagame à Félix Tshisekedi. Et vous comprendrez où va votre pays. Faites pas la promotion de Kagame. Non, bah arrêtez-moi. Laissez-moi ces histoires de la promotion de Kagame. Kagame, il faut l'étudier. Je vous dis la vérité. Machiavel l'a dit. En politique, ce n'est pas un débat entre le mal et le bien. Ce n'est pas ça. Allons dans le fond des choses. Étudions bien Kagame. Si ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi nous, il est en train de nous dominer. Mais c'est quoi la solution? Pourquoi nous sommes comme un éléphant au pied d'argile face à cet antilope-là qu'on appelle le Rwanda? La solution, c'est l'armée congolaise. Je vais vous dire bêtement. C'est notre armée. On a des gens dans ce pays qui sont prêts à se battre. Allez-y voir au Kasaï, il y a des jeunes gens qui sont là, qui sont prêts. Allez à l'Équateur, allez au Katanga, allez chez moi à Lodja, allez au Kivu. Les gens sont prêts à se battre. Vous voyez des vidéos qui nous viennent du front où les militaires se battent pour un morceau de pain. Amenez-moi les gens qui vous ont dit qu'il y a une loi de programmation militaire comme si c'est une invention. En France, ça fait des siècles qu'ils font des lois de programmation militaire. C'est management qui voudrait qu'on sache utiliser de manière optimale les ressources de l'armée pour gagner en efficacité. Uh-huh. Et pour que l'armée ne manque de rien. Le fameux 1 milliard qu'on a mis à la disposition de l'armée, c'est où? C'est à se demander si cette guerre ici n'enrichisse pas certaines personnes à Kinshasa. C'est à se demander si cette guerre ici, il n'y en a pas qui ont intérêt dans ce régime-là, dans ce gouvernement-là, qu'elle s'éternise et qui sortent d'argent pour dire oh, on va chercher des armes, on va financer les militaires pour multiplier des voyages partout dans les provinces pour recruter les gens, alors qu'ils bouffent l'argent à volonté. Merci, Mingin Deko. Les théoriciens du complot ont raison de suspecter et Félix Tshisekedi et tout sa suite dans cette affaire ici. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Pendant la campagne, il a promis, je vais être là,
je vais m'occuper de nos frères de l'Est. Regardez-moi, dès que vous me donnez un deuxième mandat, je vais vous protéger. Et puis après le deuxième mandat, il va en France, on le voit en train de jouer au foot avec Adebayor. Après le foot, il va pour l'anniversaire à Bruxelles. Non, un pays ne se gère pas comme ça. Les gens-mères à l'Est, vous allez l'entendre encore faire un autre discours. Oh non, voilà, cette fois-ci, maintenant, ils ont menacé qu'ils vont se retirer du processus de Luanda. Et c'est quoi? Merci beaucoup. Donnons l'argent à l'armée. Prenons des bonnes décisions. C'est ce que dit à l'armée, c'est ce que dit à la police, c'est ce que dit à la force de la Constitution avec lui, c'est ce que dit à les pouvoirs décisionnels. N'oubliez pas que le pouvoir est une capacité. Il a cette capacité d'agir. Et pourquoi n'agit-il pas? Très bien. Merci. Pourquoi menace-t-il? Normalement, même au nom de la réciprocité, parce qu'on a identifié que c'est l'armée rwandaise, on aurait dû faire quelque chose au front déjà. Mais il n'y a rien. Il va rentrer comme si de rien n'était. On va l'accueillir par ses ministres. On va envoyer Mouyaya nous raconter sa vie. Et c'est tout. Christian Moleka, osa coordonnateur national ya Dipol, osa pe moko ya baye ou baza ba expert na ba question ya ba question ya politique extérieure. Pourquoi depuis tous ces temps, tout ça ba voyage, diplomatie et tout, pourquoi tout ça ba sanction contre le Rwanda? Est-ce que attaque au bombardement au 14 Mariza de plus, c'était pour que tout soit quand même bas sanction. Et à qui profitent ces crimes? Je commencerai par dernière question à qui ça profite. Je dirais à personne, en tout cas, ni à Félix, ni au président de la République, encore moins à Barrebel. Pourquoi? Parce que pour le président à l'intérieur, ils ont conforté dans l'opinion, sentiment, il y a une incapacité d'agir. Durant la période de la campagne, le président a construit, je crois, des copains sur lequel on déjà, discours moro belliciste pour s'attirer faveur et opinion électorale à l'Est notamment. Et donc, Batouala qui chauffait en attendant ouverture à hostilité avec le Rwanda. Puis, brusquement, bon, bah, pression diplomatique également, le président s'est refroidir. Et donc, les lots, ils ont mis un peu mou. Parce que a promis qu'on réagir et ce n'est pas anodin que M23 Babandi Kobeta juste après Kalubi Makambuya il y a escarmouche donc après l'élection pour la qui s'appelle opinion intérieure impuissance il y a pouvoir politique et puis pour M23 ils ont avantageux parce que le fait que toucher cible militaire cible civile et non cible militaire Bolandi réaction notamment États-Unis Oyo a diplomatiquement a indexé Rwanda. Ça veut dire que même pour Nabango, diplomatiquement, ils ont un mauvais coup. Et que peut-être qu'on a gros bénéficié du fait que Kouana, verbe civil, n'a déclaration politique des États-Unis, même si l'Union européenne a tant qu'il y a Rwanda, mais les États-Unis ont clairement cité le Rwanda. Ils ont un élément de plus qui sa pression diplomatique sur Rwanda. Et après, Likambuya, question à l'Utan qui est Liboso, il y a ceux qui voyagent et qui ont réglé le problème. Diplomatie, ils auront pendant un militaire. Beaucoup ça l'été, beaucoup la diplomatie dans militaire. Parce que ce qui va victoire militaire na terrain, ils ont accompagné ben fort diplomatique té à un moment donné beaucoup souka. Les problèmes ils a que sur terrain militairement toujours jusque là qu'ont inversé rapport de force té. Ville de Goma ils a pris en tenaille, Barout Nyonso ou alimentaire Goma ils a pris et offensive Nabiso. Ils ont pourquoi repousser M23T. On ne parle même plus pratiquement de Bounagana. Les autres ont le bandé pour protéger Ville à Goma. Ce qu'on a dit narratif au gouvernement, ils ont dit que Goma ne tombera pas. Ce n'est pas que tu as récupéré Rumangabo, ce n'est pas que tu as récupéré Bounagana, c'est que Goma ne tombera pas. Et donc, tu as la position moko davantage défensive qu'option offensive à récupérer. La position de faiblesse. C'est-à-dire, en termes de rapport de force, pour l'instant, le gouvernement a imposé rapport de force militaire dans la terrain. En même temps, l'initiative Tozui, il y a EAC, il y a Sami RDC, l'Afrique du Sud a commis qu'on remettre en question positionnement, alors que Nebando Sanaki, l'Afrique du Sud, est encore très embarqué, très engagé. Les lots sur l'Andi, la déclaration politique à valider sud-africain, au sentier que Bazor est trop pédalé, par contre, il y a une cause de Massina. Il y a ni Sami, ni EAC, ni IPDF,
ne copie sa biso ma réponse concrète n'a pas problème na biso. Et donc il faut qu'on travaille na ce que ma réponse militaire et appuyer mes efforts diplomatiques et que diplomatie yango mo ko simbaté. Ça c'est de un. De deux, la diplomatie n'est pas que la partie je dirais étatique, parce que le président a voyagé mingi kotonga diplomatie d'état avec la France, mais na bacteur il y a guerre na biso. Je crois que ma plus grand acteur est forcément ba étaté. Ma plus grand acteur est ba non étatique. C'est-à-dire, tout le monde est à Apple, tout le monde est à y a ma grande multinationale, et bango ba toujara bango la diplomatie d'état. Bango ba toujara bango par lobbying. Or, malheureusement, côté lobbying, Congo, tout ça, ma casse, il peut être. Tout ça, la ma casse, il y a aussi la lobbying, notamment vers ma entreprise au bazar, ma première concernée, vers ma pays local, ma cœur, ma système de pouvoir, y a ma pays local, la Grande-Bretagne, parce que bango n'est pas la capacité, en termes de lobbying, au sein de la situation de la guerre, il y a. Et puis troisièmement, mais la guerre Baganyango diffusait. Tout qu'il y a des guerres, mais à l'intérieur de Mbokanabiso, l'opinion politique est très divisée, il n'y a qu'à suivre M. Pengue. Mais comment rassembler les Congolais autour de la guerre? L'opposition est sortie à Likambo, le coup est à pouvoir. Oui, il y a le rôle de Bitumbaya Félix, quoi. C'est-à-dire que Félix n'est pas face à Likambo, la guerre, alors qu'il y a Likambo à Mboka. Mais justement, pour que Mboka soit en haut, même à côté où l'initiative est en beaucoup de président, capacité n'a qu'à tendre les beaucoup pour nous rassembler. Malheureusement, les lots, on a davantage la ligne de fraction entre pouvoir dans l'église catholique, pouvoir dans l'opposition, pouvoir dans la société civile de côté Moussoussou. Il y a davantage la guerre en interne qui est volontaire à rassembler. Vous pensez que le dialogue, Moko Yamouné, ne peut pas résoudre le problème? Notre lot, bah, qu'on rassemble, dialogue est la ligne de forme. Ok. Tout le monde est par exemple à la France, le président actuel qui recevoir l'ancien président. Pour donc, il y a une guerre à l'Ukraine. Macron a bengi si Hollande, a bengi si Sarkozy. Qu'est-ce qui empêcherait que le président actuel a bengi l'ancien? Ah, mais il y a un M23. Oui, mais. Joseph Kabila. Oui, mais. Oui, Kotanga et Zabia. Encore faut-il qu'il y ait une enquête et mes matières éprouvées. Pourquoi qu'on approchait ancienne de coprésidente? Pourquoi qu'on approchait ma décomposition? Pour que, à un moment donné, il y a des cas pour la conformer gouvernement. Mais pour que nous avons un mécanisme, nous avons un moko vis-à-vis de Mouna. Parce que quand la maison est divisée, vous ne gagnez jamais. Et malheureusement, la division d'Abisso, nous avons des lots pour alimenter rébellion. Parce que qu'est-ce que le M23 est en train de faire? Ils ont dit qu'on a un narratif Yassika. En disant que tout ça qu'on réunir l'opposition au pouvoir. Or, narratif, wana, il faut qu'on travaille à déconstruire Yango. Mais ce qui est travaillé en interne, il y a qu'on renforcer le narratif. Wana. Ça veut dire qu'on travaille contre l'intérêt, il y a pour nous régler la guerre. Et donc, il faut à un moment donné que pouvoir à ça la sursaut, il y a la capacité à qu'on rassembler autour. Et quand je dis rassembler, ce n'est pas gouvernement. Ndeko Christian Moleka, vous êtes de la société civile. Est-ce que vous rejoindre l'idée de principe de Kolobaka que les lots gouvernements sont bloqués? Bon, non, le bâtiment de Tialo Basuki, mais ça bloqué puisque depuis 5 mois, par des gouvernements, dans l'Assemblée nationale, bureau, dans une quantité, Sénat, aussi élection, presque rien, institution, mon côté, c'est vendu. Est-ce que vous sentir que blocage vous a quelque part? Dans le l'initiative sécuritaire mingi présent à Zoui et aboutir à des résultats recherchés. Au Kozonga, depuis 2018, à savoir d'abord changement de chaîne de commandement à Est, ensuite mutualisation à IPDF, après état de siège, tout le kin a redéploiement à EAC, le Tolo Balikambula Sami RDC, maintenant on parle également de PDRSSS, Robakisa même, un phénomène Wazalendo. On a pris autant d'initiatives où, à un moment donné, ils ont ramené Bissot T vers la solution recherchée, qui est le retour de la paix et de l'autorité de l'État. Et donc, la politique, il faut questionner en gros. Pourquoi la politique a fonctionné? Est-ce qu'ils ont mal implémenté? Est-ce que ce n'est pas les personnes qui sont mises à la place à commandement? Parce qu'il y a les outils, il y a les animateurs des outils. Est-ce qu'il y a problème, il y a des outils? Est-ce qu'il y a problème, il y a des animateurs à outils? Est-ce qu'il y a problème, il y a pensée stratégique et pensée outils? C'est ça qu'il faut remettre en question, parce que après 5 ans, la réponse sécuritaire tozu en goûté. Rappelez-vous, le président a rappelé plus d'une fois que bonne année au cadre de la paix, il y a paix.
Mais il peut y répondre. Parce que bah outil auto-implémenté et réussir. Et l'autre outil, bah, peut-être qu'il monte, mais là, qui s'est mis RDC. Déploiement, il y a SADEC avec ma troupe. L'autre, tout le monde a payé que même Yango, ils ont répondu. Donc, à un moment donné, il faut tout se remettre en question. Se remettre en question, c'est avoir le courage de dire, tu as implémenté ma outil, ou il peut y avoir le résultat que tu souhaitais. Est-ce que maintenant, la réponse, ce n'est pas couper ça ne ma coquille n'a pas RDC. Mais couper ça ma coquille, ça a raté, couper ça mbongo. Ils ont chaîne de commandement. Chaîne de commandement, ce qu'ils ont clarté. Toi, aline à la région militaire. Toi, aline à la commandant, il y a l'état de siège. Toi, aline à la. Donnons, la unité, tout ça, tient à terre. Nous, on dépend de la coordination. Chaîne de commandement, ce qu'ils ont clarté. Ce qui m'a coquille, ils ont mal à monter. Ce qui logistique, ils ont l'endetté. Mais tout m'a tout rejoint. Mais tout m'a pire renseignement. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka. Tozoa, question, il y a révision, tout changement, il y a constitution en Boka Nabiso, 18 ans jour pour jour, ou ta Tozoa, bongo constitution, ou et Tambouissé Bisso, ou ta Mikolonio Soyouitikoleka, mais depuis un moment, si j'ai eu un message, est-ce qu'il faut repenser constitution en Abissou, parce que le président Tshisekedi dit que parmi les blocs qui sont bloqués, même l'installation d'institutions, ils ont la constitution, ils ont le texte, ils ont les mal à monter. Est-ce qu'il faut repenser la constitution en deux cas? Le prince Pengue, constitution, ils ont bongo, il y a mal à mingité depuis, il y a belligérant, rédigé, il y a raison, la période où ils ont été dans la condition, est-ce qu'ils ont un moment de revoir Yango et opposer? Pourquoi Zoboya va revoir la constitution? La raison est que nous avons dit que nous avons dit que ce n'est pas une priorité, madame. Ce n'est pas une priorité. Révision de la constitution. Le Congo a des défis. Le Congo a des priorités. Et il nous semble que en ce moment, les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin du pain. Les Congolais ont besoin d'emploi. Les Congolais ont besoin d'avoir les transports en commun. Les Congolais ont besoin de l'électricité. Cherchons d'abord à trouver des solutions à ces problèmes. Qui, selon mon parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, de Congo en sigle, ainsi que notre coalition, la MOCA, constitue là des urgences, des défis. Et nous devons nous atteler d'abord à ces tâches-là. Tout en reconnaissant que constitution Abisso est à parfaitité. Vous savez, la constitution des États-Unis, il y a 5 mois. Donc, le pouvoir constituant que je pourrais qualifier d'originaire aux États-Unis, pendant 5 mois, il y a la constitution américaine. Mais après quelques siècles, il y a modifié en côté plus de 30 fois. Après des siècles, il y a besoin de coquiller même pas. Un siècle. Et ce côté même constitution américaine, ici quand on va modifier mon amendement, vous allez pouvoir accroître les droits des citoyens américains. Il est vrai qu'ils ont à disposition sous la constitution, au cas où est allé ma belle et la biseau, puis bon, sous ce singeli, tant que le régime résout les problèmes aux alliés urgents, social et à peuple, et puis c'est l'outil qui, et puis c'est sécurité. Le gouvernement, il y a eu l'énergie, il n'y a pas de temps à modifier. Moi, l'article Oyo, il y a posé problème. C'est les alliés everyman. Rappelez-vous, en 2016, 2015, et puis après 2016, tant au Kabila, il y a eu l'énergie modifier la constitution. Bissot, bana ya dynamique de l'opposition à l'époque na IDPS na Félix Tshisekedi de longo to kangama pona koloba Kabila ko touché constitution na bisoté
Kapo kabila ngaki kaya pena simao, mo article oyo to komo nango ezali mabe to spongola ngo ma realité abanda ko vizende article 220 ya constitution. Poete a changer article yo ana na ma matali dire le nombre ya mandat ya chef de l'état. Et généralement ba meka kabilo ko na mingira na deuxième mandat. Parce que monique le coup là ça échoué. Il faut aller kanan ko lisusu. Ote article 5 il y a constitué le bête souveraineté appartient au peuple. Et donc peuple a souverain, peuple a décidé. Après toke na ba na référendum, toke na référendum balobi do peuple le oui que mécanisme le mécanisme par lequel le peuple exprime sa voix. Ça ba voix mon référendaire ou il y a élection, mécanisme on est allé rouiller, allé bloquer. Donc les alliés peuple m'ont accompagné à Kobim, c'est mon moment d'être. Les alliés barobondent, bah quoi, c'est prononcé en place à peuple. Tout dit qu'on a l'élection de tous les cas. Donc l'idée à Koloba, le peuple là s'est prononcé dans ce pays, dans ce contexte ici. Peuple à Koloba, oui. Résultat, bimi non. Peuple à Kobim, non. Bah bimi c'est machine à bango résultat, oui. Donc aujourd'hui, madame, et l'autre Félix a dit que ça les a tout simplement à modifié l'article de sa veille en constitution. Mais ma texte, c'est Belen de comprendre ces pengues. Ils ont dit qu'au cannabis, surtout installé le gouvernement depuis Tata Mokonzi Kolo a fait un serment. Non, non, madame. Ce n'est pas ça qui a bloqué. Au lieu que l'article, je crois, 78 de la constitution. Le but du président, ceux qui veulent que si le président qu'on nomme informateur au cas où majorité faut dégager majorité en plus informateur et moi une fois renouvelable donc on est 60 jours tout ça non mais 60 jours c'est ce qui cala quand vous êtes ce qui me sert un cala au contraire madame Judith Tangoyé a bandé sur ce salaire ya Kabuya ça n'a rien à voir ça n'a c'est pas ça qui bloque le pays ce qui bloque le pays c'est l'avidité à pas de gain. Mutuna mutuba kolo babango moko na kati nyo sa ke ba o ezali manda asuka soki bobi o moni lino ezaka liboso a itafuna biloko te lino itafuna ka biloko makasi ezali o donc non mtanga za lino na kati abwe donc balingi bazala na bon emplacement au bord de la majoire pour qu'il se fasse de plus d'argent balingi bazala ba ministre de défense okuna franga ko yana na guerre oyo boye franga ko ye belé na ministère de défense. Donc, où est-ce que vous avez fait étranger? 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 Vous Bakoza a été nommé au ministre. C'est encore un gars qui a été nommé un ministre. Deux mois après, le gouvernement a été. Mais j'ai démissionné. C'est moi qui n'en perds pas. Donc, à ça, quoi, les salaires sont sous. Je peux pas dire que je suis tombé. À risque même, à la première ministre, où il va nommer et à travailler, tu n'es pas accueilli. À la le gouvernement a été. Il y a des risques. Parce que, pourquoi nous, Babi, maman, tu vas bien, Babi, tu vas battre campagne pour la Félix. C'est facile à venir ici au nom de 30 ministres, 40 ministres. Toi, tu as été là-bas. Mon cas, c'est avec ma maman avec une moto. J'ai pris le risque pour le chef de l'État. Toi, tu as pris le risque. Mais vous ne comprenez pas ma mentalité classe politique congolaise. C'est ça ce qu'il faut qu'on vous dise, vous, journalistes. Parce que vous êtes en train de faire une réunion. Vous avez une bande. Si vous avez un micro, vous avez une bande. Vous avez une déduction. Laissez-moi vous dire, vous avez une classe politique congolaise. Et le peuple dans tout ça. Le peuple, c'est le plus grand perdant. Comme un écrivain avait dit, le malheureux c'est Dieu qui est trompé par tous. Ici, le malheureux c'est le peuple. Laissez-moi vous dire, maman, je vais chuter par là. Je suis dans la commune. Je suis dans la commune. Même à Kanikilo, toi, n'a pas le lot. Même à Iné, un peu pesé les cathés. Mais tu sais presque tout qui est ça, courrialité. Courrialité? N'est pas un gars, groupe électrogène, d'un groupe électrogène, d'un groupe de tomber en panne. Est-ce que la constitution de péché a empêché Félix, tu sais que pendant 6 ans, il y a bon sa courant, c'est ça? Toi, on a 100 000 mégawatts de potentialité.
Dites-moi, l'article n'est pas constitué Pixie Félix, c'est ce qu'il dit, appelez sa courant. N'a pas accès à ça. Maman, la fonctionnaire est basée en pays partout. Il y a un article dans la constitution où le bien a fait ce qu'il y a un gouvernement, il y a beaucoup de fonctionnaires. En quoi la constitution empêche Félix Tshisekedi à s'occuper des gens? Guerre les Angouana. Tant que vous avez la moindre escarmouche, je vais bombarder le Rwanda. Il y a pas quitté la constitution, ils ont bloqué. Mais pourquoi est-ce qu'on pense, on a cette manie de penser que tous les problèmes du quotidien, où à chaque fois qu'un problème va se poser, nous allons avoir la réponse à modifier la Constitution. Non. En quoi l'élo misa l'éalité qui est de côté à l'université Nyosso? Combien d'étudiants vont venir chaque année? J'étais à l'Unikini dernièrement. Je viens de faire Nyosso économie partout. J'étais à l'IPEN. Dans un monde le peuple, je suis sur le terrain chaque jour. Est-ce que la constitution n'est qu'empêcher Félix Tshisekedi après sa mission là-bas dans le Congo? Il vient de promettre 6 millions d'emplois. Ça dit que pour appeler ça 6 millions d'emplois, il faut d'abord modifier la constitution. Non. Mais je suis d'accord que ça n'a pas. Au départ. Oui, c'est ce que j'ai dit. Problème. Si, il ne faut pas changer, il faut quand même réviser. J'ai dit, il y a ce qu'on appelle aussi gestion de priorité. Ok. La révision de la constitution se situe à quel niveau, à l'échelle et à priorité à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi pense que d'abord les gens se modifient la constitution et puis gagner la guerre après. Non. A Yvesi Bissot en 2021, Kabila a bloqué Ngaï. Kabila a été bloqué. Kabila a été bombé. A bloqué Ngaï. A tient à catch. Bon, à Congo, Babi. Mais Moutou a gagné qui l'élection. Mais ce que Kabila a fait, Moutou a longo livre pour pouvoir et pas faillir la pessier. Kabila a été bloqué. Il y a le coup à Zaman en Boka. Tout le monde a été bloqué. Peut-être que. Longo la catch au Kabila Tchéye, toi à l'élimine Kabila au bloqué Ngaï. Aïe qu'on change majorité en violant la constitution. On l'a laissé faire. Aïe qu'on a majorité na Tobi Boloko a une majorité na a deux ans et Tikali. Aïe qu'on sait loco. Deux ans à Tonginde le boulou pour n'a aucun abana Congo. Donc comme il a 2023, il a menti. Félix a menti. N'hésitez pas à dire que c'était un menteur. Il a menti au Congolais. Du chef de l'État, non, c'est un menteur. Quand tu dis aux Congolais que tu vas bombarder, Ndeko vient de le rappeler ici, il a dit aussi à la fin de l'année que cadeau n'a pas si bino, n'a pas si bino, il a cadeau, il a une bonne année où il y a 2023. Il a cadeau, il y a Kimia. 15 personnes aujourd'hui qu'on a tué. C'est un menteur, c'est un démagogue. Il a dit, ce qui c'est ce que nous regardons, moi, ce qui Rwanda me qui, la moindre escamouche, la bête même du point sur la table. Maman, quand tu promets que tu ne réalises pas, tu es qui? Tu es menteur? Merci beaucoup, Ndeko. Laissez-moi terminer. Dans ma belle élection, il a promis tout. Moni, Kabila a bloqué Kingaï, majorité n'a pas été stable, le gouvernement travaille bien. Si vous avez un mandat, mi balema, je vous dis, je suis libre, je travaille pour Nabino. Il a bloqué tout. Il s'est taillé lui-même 430 députés. Ou 435 députés. Jamais vu dans ce pays. Et après qu'on soit majorité, 5 mois après, il n'y a pas de gouvernement. Ce n'est pas Fayulu qui le bloque, ce n'est pas Prince Pen qui le bloque, ce n'est plus Kabila. Il dit maintenant, ah, vous avez vu que Kabila a bloqué, c'est vrai, à Kenda, majorité, c'est vrai, majorité, maintenant, vous comprenez que Mexico, ils ont dit constitution des actes bloqués. Donc, pour modifier la constitution. Mais qui ne vous dit pas que le lobby a connu le service parce qu'il est condamné à échouer, Félix. Il n'a pas de vision. Le bac, vous savez, ça, il y a un de Yesu qui se massit en dans la canton. Très bien, merci beaucoup. Si tu es bien, tu es bien, comme ça, Félix a changé ma carrière. Merci beaucoup. Donc, les comme à la Congo, pour la Congo se développer, il faut que tout au long de la chrétienté. Merci beaucoup. C'est là, Félix, c'est Pengue. Non, madame. Et je voudrais terminer par ça. Adé de Congo. Adé de Congo. Na la mouka. Na du Koloba, on va confirmer à Elfi, à Bengan Abutu. Félix Tshisekedi est en train de jouer avec le feu. Et c'est dangereux. Félix Tshisekedi, je crois qu'il me suit là où il est. Ou qui sait, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, dites à Félix Tshisekedi que Pengalobi, il joue avec le feu. Wallahi, je vous dis. Félix, il ose toucher la constitution. C'est qu'il veut écouter son mandat. Et c'est comme ça que Papa Mbongo vous a dit. Alobi, moutoua linga kaoukandaye, c'est la vérité.
Ce qui Félix Aouké l'a gabi sauté, ce qui Aouké l'a gabi sauté, n'a échoué tes mamans. Merci beaucoup. Amongo a dit, réduisons les frustrations. Bopé ça, bopé ça. Et pas n'abissou batete, va le bananin. Balo bakoza kandumba, mais bakoutouna ki ndumbate. Balo bakoza kamoibi, mais bakoutouna ki moibi. N'a zonk solomon, tango, nanga za koyoka. Que Félix a gagné modifié constitution. Et puis que Nanga se frotte la main, elle dit, donc, en fait, Félix a commis ce qu'on a lié à Nanga. Il n'y a pas de Nanga raison supplémentaire à Koloba. Vous voyez que le combat de Nazaro Bunda est à rébellion, il y a comme un mot à solo, il y a comme un mot à malamo. Et il risque de créer tsunami destination unique, sens unique vers Nanga, parce que tous les gens qui vont être contre cette révision risquent d'aller gonfler les rangs de Nanga. C'est comme ça que Papa Mbongo, l'homme est pris d'envoi le mal de loin. Alors, à un sale qui dit ce qu'on interpelle la terre, et ça a bien son opposant. Et Zala Félix, c'est ce qui doit être pouvoir pour le Banabango, pour créer cohésion, pour créer unité, pour réduire la frustration, pour que ça va être raison, il y a aussi Maman Doki. Malheureusement, on l'a insulté, on l'a menacé d'arrestation. Je vous dis des choses aussi, s'il y a quelqu'un qui aime Félix, c'est ce qui doit être pouvoir, président, tu es dans le pouvoir, tu sais ce que tu as là, tu as pardon, mandat en tu as oh, pouvoir, il y a le furacari, au boyer. Kabila millionnaire a boaki mai a boaki falanga ne balé il dépasse à l'okoti. Merci de comprendre ce point. Kabila a vu ce qu'il a vu. Très bien. Nous allons être tellement sévères sur le terrain avec Félix Tshisekedi dit que Adede Konga a déjà commencé le travail. Et j'appelle tous les jeunes sur toutes les universités Inikini bravo à vous parce que bana université Tshisekedi al Bosso baaki na siège. On a été de recruter partout. Mais vous, Félix va avoir une leçon de vie. Merci beaucoup de comprendre ce point. Il n'y aura pas de modification de la Constitution, ça n'arrivera jamais. S'il vous plaît, je merci vous beaucoup Ndeko. Moi, Mboka, Christian Moleka, changement ou révision, il y a Constitution, est-ce opportun à Tango ou Tozanango? Est-ce que le bah, texte n'a pas et Zali n'a sens, il y a qu'on bloquer même l'évolution de Makamunakati Mboka Nabiso? Objectivement par là, je ne pense pas que la constitution des bloqués biso. Peut-être à quoi le bas loi électorale ou peut-être à quoi le bas mode de scrutin. Mais constitution, je ne pense pas. Pourquoi? Tozoa choix na Congo depuis 2006, il y a recouplé présidentiel la législative. C'est pas la constitution qui l'a imposé. Les abysso ba politique n'est on dit mais recouplé. Na ebi de coping à quoi se rappelait bien à 2011. Na calendrier, le calendrier couplé, na calendrier découplé. Bakabola présidentiel, na législatif. Ceux qui sont en retard, ils ont pour la constitution. Il y a des potes couplables élections. De telle sorte que ceux qui ont voté président, au hasard élu, président cause la installation au parlement. Okay. Alors que le mot à l'occasion c'est égal, bah couplaté. Okay. Le président qui est élu a coûté parlement. Parlement, ils ont la majorité dans l'État. Ils ont majorité à Macky Sall. Élection au Sénégal, ils ont dans 3 ans. Le président actuel a travaillé dans le Parlement et a la majorité dans le pendant 3 ans. A quoi dissoudre après 7 mois. Mais il était possible de découpler. Tout ça, là, je suis à couper. Il y a un gros lotto à l'épaisseur. Donc, si le président a l'ingé lobby à modifier, tout découpler l'élection présidentielle législative pour que le président Zokota en fonction a la carte dépendant la majorité qui sera installée. Ça, c'est de 1. De 2. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as dit qu'il y a une culture, il y a une négociation politique. Une majorité large de 430 députés. Mais conséquence, nous allons aller gestion des ambitions. Tout le monde est allé quand il y a poste à président et à l'assemblée. Comment pour nous gérer l'ambition, il y a 3 membres et à présidium. 3 membres et à présidium, au bas, on a même ambition. L'arbitrage n'a pas pu tenir. Il a fallu qu'il y ait une primaire pour nous kokabola les 3 membres à présidium. Le vrai problème, il y a une union sacrée, les leurs, ils ont géré l'ambition. Parce qu'une majorité très large, ils ont l'ingéité. Une majorité très large, ils appellent complexité à l'ambition, à tout, il faut gérer, moko, parce que chacun va revendiquer avoir travaillé pour le président. Et les lots, même conformément au gouvernement, les Kambouata à gouvernement et les Kambouata à l'ambition à bateau. Parce que le lobby 30 et les Kambouata à l'Ibanda. Moussa Lobby n'a ôté, on veut un gouvernement à la taille du pays, parce qu'à 60, c'est Baroko Tamingi. Le vrai problème, c'est Zawana. Et ça, les Kambouata, il y a majorité, il y a gestion d'ambition, il y a découplage à l'élection, oh, il faut qu'on ait un niveau à fond. Mais ce que tu as vu, tu as mode de scrutin proportionnel. La, depuis 2011, toujours qu'il y a de corriger proportionnel. Tu es seul, il y a 1% pour nous, 3% pour nous corriger proportionnel. Mais ma parti politique, tu as vu, tu as 900 partis politiques, non? De 2018 à 2023, les partis politiques ont été multipliés par 2. Tout l'équipe des 450 ou 500 partis politiques à 900. En, mais c'est ça le vrai problème qu'il faut régler. Création d'un parti politique dans le Congo.
Ce qui te regarde problème, Wana, oui, tu as moins de problèmes à niveau parlement, mais à niveau constitution, il y a des problèmes à niveau constitution. Par exemple, tu as questionné, il y a vote, il y a gouverneur, élection en gouverneur par les députés provinciaux, et qui voit qu'on s'est élevé de plus en plus, qu'on a peut-être un gouverneur élu au scrutin direct. Oui, il y a des choses à modifier. Maintenant, est-ce qu'ils ont opportun les lots, alors que le pays a besoin de rassembler? N'incitez les Cambouya qu'on rassemble face à la guerre. Cette question de constitution va diviser les Congolais. Je ne pense pas qu'ils vont rassembler les Congolais. Même en termes, il y a révision, il y a quelques... Et qu'on divise les Congolais, et qu'on divise classe politique, et qu'on divise opinion. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le pays a besoin de la division. Dans le contexte de la guerre. Mais le président dit que nous avons, il nous faut une constitution digne, puisque le problème du Congo aujourd'hui, c'est notre constitution. Le problème du Congo, c'est l'application de la constitution que nous avons aujourd'hui. Parce que cette constitution ne s'applique pas. Ou elle s'applique mal. Est-ce que la constitution a bissé depuis 2006 et instaura retenu à la source? Mais tu appliques à Angote. Tu appliques à la rétrocession. Caisse nationale de péréquation. Et Chamate. Le problème est à application à la constitution. Est-ce que la constitution a bissé et tia libre administration des provinces? Mais ce qu'on a dit, fait toi à Nicolas Kazadi. L'Ikambouyaba Lampadaire. Qui a passé la commande? C'est la ville ou le gouvernement central? Problème à Lampadaire. Ils ont divisé l'opinion. Qui a passé la commande? C'est la ville ou le gouvernement central? Est-ce que tu remettre en question tes libres administrations tant qu'on va dépenser, il y a province, ils ont organisé au niveau gouvernement central? Les vrais problèmes sont ceux-là. Ça dit qu'on s'est allé appliquer Ndenge Sengelite. Tu as d'abord quoi appliquer en haut, ce que tu as appliqué en haut correctement, et que tu as mon lobby qui est une application en haut correcte. Qu'il y a des problèmes, on va améliorer. Mais les problèmes, tout ça, qu'on applique à mon entier. Il y a des questions à modifier. Par exemple, causons que ça deux tours. On ne peut pas continuer à avoir un président qui est élu avec 30% de voix. Parce que 30%, ça veut dire quoi? Sur les juifs, participation à Congolais. On a eu 45 millions d'enrôlés, mais on a eu combien de votants? Quand vous avez 40% de votants, ça veut dire que Mouto a eu 70% à 40% de votants. Sur les 100%, Aza à peine 30% à Congolais, ou Baza identifié Naé. Et donc, on a des présidents qui sont faiblement légitimes, dans le sens qu'il y a un nombre de Congolais qui ont voté. Il faut qu'on ait un deuxième tour pour que permettre les candidats soient mieux élus. Aza a la légitimité suffisamment forte. Ça, il faut faire. Je suis d'accord qu'on revienne au deuxième tour. Mais le problème, c'est l'opportunité. Est-ce qu'il faut commencer aujourd'hui, avant, à parler Nango, parce qu'il y a un retard en 2013 et qui est bouta qui bat attention? Il faut le bango avant pour préparer les esprits et l'opinion. Mais est-ce que le timing en termes d'opportunité dans le Cambouya guerre est contre-productif? Moi, je pense que par rapport à la nécessité de construire cohésion dans le problème de la guerre, est contre-productif. Mais finalement, le Congo aura toujours des problèmes et c'est aussi mara constitutionnel. Les problèmes ne disparaissent jamais. Les problèmes de gouvernance. Mais sinon, l'horizon, il y a l'État, il y a la éternelle en principe. Les problèmes ne vont jamais disparaître. Ce gouvernement a posé à la base, a réduit une dame, mais ça va continuer. Il ne faut pas penser que le président réglera tout. Même si Atta Sali 20 ans, Atta PC 30 ans, il ne réglera pas tout. Votre message à la population, tout comme la sous-commission. Le message à la population, on a vu sur les alliés que Mboka n'a plus besoin d'apporter sa cohésion. Okay. Acteurs politiques, population, tout travailler dans renforcer la cohésion nationale. Parce que ce qui se joue avec la guerre de l'Est, ils ont au-delà, il n'y a personne, il y a Félix, ils ont au-delà, il n'y a personne, il y a Peng, ils ont à venir, il y a Congo comme nation. Ce qui lobby te consacrer balkanisation à Congo. Soyez rassurés, Bangolais Botala, Brazzaville Botala, Sud-Soudanais Botala, Zambien Botala. Déjà, Congo Brazzaville a revendiqué l'île Morona Libengiao. Ce qui lobby te consacrer balkanisation à l'Est, il ne faut pas être surpris sur Angola, le lobby Kaïm Bapé Zalaï. Tu consacrer des éclatements à Mbokao. Et donc, il est nécessaire que tu régles définitivement pour l'Est. Mais ça passe par la cohésion. Ils ont responsabilité à mon Konzambo qu'il y a qu'on rassemble, qu'on réduire la zone d'attention qu'on rassemble autour d'Aïe pour que tout le monde ensemble solution avec le problème. Très bien, merci beaucoup de comprendre ces pingues en une minute. Rapidement, quel est le message que vous lancez à la population? Bah, le message est que base à la mobiliser. Baye baye te iloko ya kozela et pa ya messe Félix Tshilombo et sa société. C'est fini. Il est vrai qu'à un moment donné, Congolais Bélé, Bazala qui est un peu permissif envers lui, pour Nagoloba, ah, Azan de Konabiso, tout à l'heure, tout peut sa chance. Le même, quand on a eu à IDPS, allez écouter.
kulanda te baoba police kawana baza ko zomambongo muke na pouvoir la majorité membre ma IDPS vous dites que Fatshi c'est fini, il ne fera rien pour le pays. Et Félix Tshisekedi au fond de lui azakoye bayango débat oya même si la constitution, Félix lui-même sait que c'est impossible aujourd'hui de modifier la constitution, impossible. Mais d'après information moko de ko sikile wana na cité, Félix a bengsi batunaya et c'est donc abi qui ne risque rien à rien. Ce bon mito men a pouvoir tout entendre comme modifier tout dans le peuple ça réagir indigné. Félix a dit ça à ses juste amis qui ne risque rien à rien tout entendre comme modifier article 220. Donc bangi ne va tenter. Et ici je voudrais dire na betidi a Congo nyos. Bitumba o za bitumba ba oh leader tel leader tel non il y a bitumba katumbite failuté. C'est le combat de notre génération. Chaque génération a un combat. Chaque génération a sa bataille à elle. Mumba veille sa son combat. Il ne l'a pas laissé, il ne nous a pas entendu. Hein. Kimbangu avait son combat. Mobutu avait son combat. Nous, là, on a un combat. Ndeko vient de le dire ici. Ndeko Moleka. C'est le non-respect des dispositions de la Constitution qui pose problème. Très bien. Et donc, si Félix pense que à Kosala, et si Kabila, à Koyakima Kale, il a réussi parce que ça Congolais, être Congolais, pour moi, aujourd'hui, c'est s'occuper de ses frères. Merci beaucoup. C'est d'empêcher qu'on les tue. Mm-hmm. C'est donner du courant. C'est donner de l'eau. Créer des emplois. Transport en commun. Kinshasa, Awaboye. Maman n'a pas arrêté de bis. Attaque au hymne national. N'a pas arrêté debout congolais. Ce qui peut rendre l'hymne national hommage. Tout ça, il sera debout, debout, n'a pas arrêté. Même à tête debout congolais, en gros, n'a pas arrêté de bis. Les gens arrivent chez eux à 23h, maman. Pour nous avoir un litre à capir. Un litre. Lobby, j'ai failli rentrer à pied. Tu es incapable de faire ça. Mais pour Nabola, mon ami Félix, parce qu'on a régné, on continue de voyager, on a joué au foot et tout ça, parce que c'est un anniversaire, on a modifié la condition pour faire le plaisir. Madame, je voudrais dire, et c'est le mot de la fin, à Félix Tshisekedi, on dit que tout pouvoir corrompt absolument. Papa Mbaloba était ma belle. Le côté un bon plutôt et tinda ka na bato bana falanga ba kansa été liwa ya lika pona babola biso pas to kufaka. Le problème ici avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il a complètement oublié d'où il vient et comment il est arrivé là. Il sait quoi même tellement tout puissant et il peut avoir raison dans la mesure où toutes les institutions sont entre ses mains. Toutes les institutions sont entre ses mains. On se demanderait même si Félix n'a pas intérêt à ce que le gouvernement ait l'installité. Sénat est l'installité. Parce qu'à ce moment, il n'y a que lui qui décide. Merci. Tout le monde le suit. Très bien. Mais qu'il n'oublie jamais qu'avant lui, il y avait un certain Kassavubu. Qu'avant lui, il y avait un certain Mobutu. Qu'avant lui, il y avait un certain Mosé. Qu'avant lui, il y avait un certain Joseph Kabila. Et que lui est là comme un simple locataire. Que Peng viendra les remplacer. Très bien. Merci beaucoup, Matondo. Donc, c'est une propriété commune. Mm-hmm. Tous, James Kabarebe dans un documentaire, je suis par là. Avec ça, Joseph Kabila, et si Joseph Kabila est en train de se faire, il y a un peu de temps. James Kabarebe, chef d'état-major à Rwanda, mais il y a un peu de chef d'état-major au Congo. Il y a Joseph Kabila et il y a un peu de temps. Tu vois que tous ces gens qui nous acclament, ils sont en train de se faire un peu de temps. Ils sont en train de se faire. Les mêmes personnes qui nous acclament, c'est les mêmes personnes qui vont nous caillasser. Si on ne fait pas attention. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Prince Epengé, Ndeko Christian Moleka. Merci, Ndeko Blandibiso, partout, à travers le monde, des Akipona, Kongo, Tokutani, Lobby, Nabandiko Moussous. Mais toujours avec le même plaisir. Au revoir et de bonnes choses chez vous.